Bonjour à tous les amis, ici Yanamu, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série, un nouveau let's play sur FTL, Faster Than Light. Il me fallait trouver un truc pour remplacer Mad Game Tycoon, hein, qui est arrivé, comme vous le savez, à la fin de sa vie, on va dire, à cause d'une mise à jour. On va donc attendre quelques mises à jour avant de refaire une partie sur ce jeu. Et il me faut un truc en attendant, donc j'ai ce jeu-là, que j'ai jamais fait de vidéo dessus. Bah écoutez, c'est parti les gens. Alors, j'ai débloqué, parce que j'ai quand même un petit peu joué, deux ou trois vaisseaux, notamment celui-là qui est ouvert cheaté. Celui-là, je suis jamais arrivé à jouer avec. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Celui-là, je l'ai testé une fois, je ne suis pas arrivé à jouer avec non plus. Hein. Et j'ai réussi à gagner une fois le jeu en mode facile, hein, parce que moi, je suis j'allais. On va se mettre en normal, d'ailleurs, avec celui-là. Alors, on va prendre un vaisseau au hasard. Celui-là. Allez, on l'a jamais testé, c'est le moment. Comment il marche, celui-là? Voyons voir ça. Donc déjà, on a ces deux trucs-là, hein, c'est ce qui est assez chelou, je trouve, hein, qui bouffent l'oxygène autour d'eux, en fait. Ce qui est plutôt pas mal. Anaérobique. Waouh. C'est assez hallucinant, en fait, de voir ces trucs-là dans le vaisseau. Hein. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est qu'il y a... Ah, il y a une salle de clonage, en fait. Ça fait quoi, la salle de clonage? 12 secondes. D'accord. Ok, donc chaque fois qu'on saute, en fait, se soigne. D'accord. Bon, j'ai pas les différents styles, hein. En vue externe, il est comme ça. Alors, on a un laser enchaîneur. Donc, deux slaves. Ah, ça, c'est génial, ça. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Les armaillons, c'est génial. On est d'accord, c'est génial, hein. Ouais, j'ai vaincu un vaisseau amiral. Pour l'avoir. Bon, j'ai fini le jeu, bref. Alors, on a ça, d'accord. Bah écoutez, les gens... Alors, non, par contre... non, voilà. Le Yann humanoïde. Voilà, moi je dis, comme ça, ça claque, hein. Allez, on va se mettre en normal ce coup-ci. Et on va... Alors, il y a les petits succès. Sans que le net de notre vaisseau ne dépasse 20%. D'accord. Ok, on va essayer de faire ça, d'accord, les gars. En fait, on va, pour ça, ouvrir toute cette partie-là. Même celle-là, d'ailleurs. Alors, au niveau d'oxygène, on est à 50%. On va ouvrir ici également, parce que je pense que lui, il va atteindre la salle de clonage. On va ouvrir ici. Alors, on est à combien, là ? 44%, c'est pas encore assez, hein. Ouvrir ça, ça et ça. Et là, on est à combien? 26%, 25%. On va ouvrir ça. Et ça. Parce qu'il n'y a aucun respect. Voilà, comme ça, on va essayer. En fait, c'est génial, ça protège totalement contre les incendies, ça, en fait. Ça, c'est la méga protection contre les incendies. Alors ensuite, donc, on va essayer d'armer un petit peu plus ça. Ah, oh, j'ai que 10 scraps au début. Donc en bref, je vais devoir faire... Je dois jouer qu'avec lui pour l'instant, parce que lui, je peux pas l'activer. Ok, au niveau des équipements, donc, on a ça. Ok, l'équipage, donc, lui, on va le renommer. Hein, voilà. Yanamu, hein, voilà, le pilote. Lui, on va l'appeler... Learn to play, voilà. Et lui, parce qu'il n'y a aucune pitié là-dedans, on va l'appeler Natsu. Hein, voilà. On est bon, on accepte. On est en dessous des 20% d'oxygène. On a 13% d'oxygène, c'est un petit peu bas. Lui, il aura qu'une salle pour se réfugier si jamais il y a le feu ici. Mais bon, moi, ça me semble bien. Allez, on va commencer à sauter. Alors, on va éviter les nébuleuses. J'aime pas ça, les nébuleuses, moi. Après, vous allez voir, hein, je suis un peu heureux. Hein. Oh purée, ça commence. Alors, on va essayer de tirer là-dessus. En espérant qu'il se téléporte pas ici. Bien sûr. Putain, c'est super long à charger. Tiens, hack-moi leur bouclier. Voilà.
Ah, raté les missiles. Ouais, bon, ça va. Voilà. En fait, faut appuyer sur un bouton là. Mais moi, je savais pas qu'il fallait appuyer sur le bouton. Ah non, la garçon. Oh putain, y a personne aux portes, quoi. C'est génial. Je vais directement perdre mon pilote si je continue comme ça. Toi, tu viens là. Toi, tu vas ici. D'entrée de jeu, je commence à perdre mes membres d'équipage. Ok. Ah là, tiens, vas-y, conduis, mon gars. Non, retourne au missile, toi. Qu'il ait une solution de repli, lui. Alors, ce coup-ci, on active. Ah, raté l'activation, quoi. Ah, il est parti. Ok, bien. On a été bien mauvais sur ce coup-là. Moi, je dis, on a été mauvais. Mais mauvais de chez mauvais. Hein. Là, je veux dire... Aïe, 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 aïe. Bon, il récupère un petit peu de vie. Oh là 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 là. Ça pue, cette histoire. Mais ça pue, cette histoire. Mais je vous le dis, ça pue, cette histoire. Je vais me faire péter, hein. Je vais me faire péter en 2-2. Bon, ça va, mon bouclier a le temps de recharger. Ok, il a de super boucliers par contre, lui. Hein. Ouais. Ouais. Il commence à gagner les compétences en pilotage, mais bon, il va falloir vraiment le soigner, quoi. Ça y est. Tu vas me hacker son bouclier. Ah, mais t'as pas fini de rater le coup, ouais. Non, oh, c'est génial ça, il casse tout lui. Voilà, c'est bon, on a réussi à casser ses armes. Ma foi, on va peut-être être sauvé. J'appuie trop tard, j'ai l'impression, sur le truc chaque fois là. Ah ouais, raté. Il rate sans arrêt, hein, par contre, hein, mon laser. En fait, faut que j'attende dès qu'il est là. Vous voyez, à ce niveau-là, paf, faut que j'active le truc en fait. Voilà, comme ça, ça marche mieux déjà. Ouais, cool, des scraps. Alors, je veux directement faire une modification, à savoir acheter une barre d'énergie pour pouvoir activer ça également. Ça sera déjà beaucoup plus simple, hein. Moi, je vous le dis, ça sera beaucoup plus simple. Alors, on va aller se balader par là. Ok, alors, le truc ionique, tu vas cibler les boucliers. Le laser, tu cibles les missiles. Et on est parti. Ça, je pense pas avoir besoin de l'envoyer. Je l'enverrai si il tente de s'échapper en fait. Voilà, déjà on a cassé leurs armes, c'est bien. Le ionique, c'est génial ça par contre. Le ionique, il est génial. Ça, le paralyseur ionique, c'est génial comme truc. Voilà, directement touché le bouclier. Voilà. Paf. J'ai vu sa propulsion. Ouais, je suis en tir auto, hein. Voilà, ça c'est fait. Ah bah ça va mieux déjà. Ah, moi je dis ça va mieux déjà. Moi je vous le dis les gars, ça va beaucoup mieux, hein. Voilà, y a pas de respect. Alors ensuite on va aller voir par là-bas ce qui se passe.
Ouais, rien d'intéressant. Il y a un magasin ici, mais j'aimerais bien ne pas y aller de suite. On va faire un truc à la mort malheureux, tiens. On va faire une boucle là. Oh, elle est jolie cette lune. Alors, le paralyseur ici, les lasers, tu vas tirer là-dessus. Putain, mais chaque fois, ils visent mon bonhomme. Hein. Attention, les mecs, hein, sans déconner. Hein. Ah, mais si je fais ça, j'ai perdu le niveau d'oxygène ici. Là. Allez vous occuper de lui, tous les deux, là. Aïe aïe aïe, lui va mourir. Toi tu retournes là, toi tu retournes là, dépêche-toi. On va attendre que l'oxygène revienne ici. Bon ça je vais en avoir besoin maintenant là. Tu vas perturber leur bouclier. Voilà, comme ça déjà ça va mieux. Toi tu retournes là-dedans. Ah ouais, Natsu il est mal en point déjà. Hein. Déjà c'est mal embarqué le truc. Hein. Boum, voilà. Yes! On a récupéré un membre d'équipage. Je sais pas encore ce qu'on va en faire, mais on l'a récupéré. Toi, tu vas aller réparer ça, s'il te plaît. Après tout, tu crains pas l'oxygène, toi. Alors, on va fermer la salle des boucliers, du coup. Et on va voir, entre guillemets, si on dépasse les 20% d'oxygène. Hein. On va enregistrer les positions de l'équipage. Ah je sais, ouais, mais il faudrait absolument une salle de soins en fait, en même temps que la salle de clonage. Voilà, comme ça on est pas mal je pense. Par contre lui il est tellement mal en point, ça veut rien dire. Ah, j'ai intérêt de trouver d'autres commos là pour mettre aux caméras et aux portes. Hein. Allez, ça va être chaud ça. Ça va être rendu difficile. Bon bref, maintenant on va aller faire un tour au magasin. Alors, compte infirmerie 50. Ben les gars, je crois que je sais ce que j'achète. Hein. Voilà, là je veux dire, là il n'y a aucun respect. Ah. Je vais directement acheter l'infirmerie. Ah non 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 non, bah non 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 non, l'infirmerie ça remplace la baie de clonage. Oh, oh, c'est la merde ça. Ah ouais, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Qu'est-ce que je prends alors? Bon bah l'infirmerie du coup je peux pas la prendre, c'est dommage. Le camouflage j'aimerais beaucoup mais c'est un petit peu trop cher. Ouais, non. Non. Bah écoutez, on va faire ça. Hein. On va faire ça. On va tout réparer notre vaisseau. Et on va prendre plus de carburant, toujours. Parce que le carburant, c'est le nerf de la guerre. Bon, bah on est pas mal comme ça. Allez, ensuite, on va aller faire un tout tour par là-bas. Et peut-être qu'on va faire 1, 2, 3, je sais pas encore, on verra. En fonction de l'avancement de la flotte rebelle. Oh cool. Un enchaîneur ionique, c'est quoi ça? C'est joli ça. C'est très joli ça. Mais ça demande du scrap ça.
Alors, de cette arme augmente chaque fois qu'elle tire jusqu'à un maximum de 4. Énergie requise 3, temps de chargement 14 secondes. Intéressant. Ouais, je pense que j'ai le temps de faire ces 3 sauts-là avant d'aller à la sortie. On va la tenter, écoutez. Yes. Ah bah tiens, très bien. Ah mince. On se fait attaquer. Alors par les Orioniques, tu vas viser les boucliers et le laser comme d'hab. Hein. On change pas un truc qui gagne. On va pas dépenser de drone sur ce coup-là. J'aimerais bien avoir un lance-missile. Ça serait intéressant. Génial, c'est pour rater comme ça sert à rien mon garçon. Bon, au moins on a désactivé son ionique. Voilà, ses boucliers sont bien désactivés, maintenant il a plus d'armement. Cible facile les gars, cible facile. Ok, allez. Oh oui, on a le temps même d'aller peut-être là-bas faire un tour et de revenir à la sortie. Bon, on a le temps d'aller faire un tour là-bas et de revenir à la sortie. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Intrus à bord, le pauvre. What? Ils vont finir par mourir de toute façon. Par contre, niveau oxygène, là on est mal. 5% d'oxygène, il n'y a que cette pièce en fait, hein, les gars. Je pense qu'ils sont morts, ça y est. Ouais, ils sont morts. Ils sont totalement raides, les pauvres mecs. Ah ouais, un vaisseau totalement dépressurisé comme ça, ça aide, hein. Et vous voyez là, j'ai pas eu besoin de prendre des dégâts pour les combattre, et ça c'est bien, vous voyez, je mets directement un mec aux portes, ce qui fait que ça les force à bloquer un petit peu et à... Et comme ça, bah voilà. Ouais, par contre, pour le retour de l'oxygène, c'est pas encore ça. Hein. Ils ont pas cassé le truc à O2 pourtant. On a 2% d'oxygène les gars, what. Ok, on va se dégager de là. Secteur suivant en espérant éviter nébuleuse. On va partir par là-haut. Ouais, de toute façon on va tous les mêmes chemins à Rome, donc on va là en bas. Et on va essayer de voir ce qui se passe un petit peu. Alors, que se passe-t-il? Voyons voir ça. Mon O2 est désactivé, c'est pour ça. On va réactiver l'O2 de suite, réactiver ça, réactiver les armes, et logiquement ça devrait déjà aller mieux. Bon, ils perdent pas encore de vie, heureusement, il y a juste assez d'oxygène. Celle-là on s'en fout. Toi du coup tu peux retourner ici. Non, c'est pas toi, je me suis trompé. Voilà, c'est toi ici. Il faut que je sauvegarde. Voilà, là où ils sont. Bien!
Bien, bien, bien. On va attendre que ça remonte un petit peu en blanc là, parce que l'air de rien, je suis pas vraiment rassuré. Il suffit qu'il y ait un trou pour que voilà, hein, pour qu'il y ait l'eau. Ok, on a réactivé la baie de clonage et tout ça, d'accord. Allez, on va dire que c'est. Oh là là là, la nébuleuse. Alors ici, 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 ici. Oh là 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 là. J'aime pas les nébuleuses, les gars. J'aime pas ça, les nébuleuses. Mais bon, la logique voudrait qu'on aille là-bas. Allez, on est parti. Cool, il n'y a rien ici, ça me va très bien. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? On tente ça? Parce qu'attaquer le vaisseau, ça me rapportera pas grand-chose. Un rayon anti-coque. Viens voir ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais alors il va me falloir absolument booster mon armement. Booster mon énergie, mon armement. Pour ça, il me faut du scraps. Alors, eux, ils sont armés. Ils ont une salle de drone. Ce qui risque de faire très mal. Si j'envoie un drone, ça va le casser, hein. Ouais. Deux drones anti-combat. Ça va être chaud, chaud, chaud. Du coup, c'est génial. Il a tiré sur un truc qui sert à rien. Voilà, ok. Une arme désactivée au moins. Bien, bouclier désactivé. Allez, c'est maintenant, c'est le moment de tirer là. Ah bah tiens, on a explosé un drone, c'est bien, mais bon, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, ça sert de bouclier ces drones, l'air de rien. Voilà, leurs armes sont dans le rouge. Paf, ils ont remis un drone. Notre sou qui monte. En termes d'armement, bah ouais. Hein. Ok. Raté. A raté, oh bien, Natsu a atteint le niveau vert en armement. Voilà, on les a cassés. Cassés, 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 cassés. Bien. Alors ensuite, la logique voudrait qu'on aille là, puis là, puis là-bas, puis là. On va commencer par là, 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 là. On va essayer de faire un tour comme ça là. Mais en restant en dehors de la nébuleuse, parce que je n'aime pas du tout ça les nébuleuses, moi. Oh punaise, encore un vaisseau ennemi. Punaise, punaise. Ah ouais, tu viens là toi? Bah viens là, hein. Tu vas perdre de la vie, mais bêtement mon garçon, parce que ici, je sais pas si t'as remarqué, mais c'était journée porte ouverte. Le feu, j'en ai rien à taper. Tiens-toi, va réparer la baie de clonage. De toute façon, on va les casser, je pense. Il va mourir, il a pas l'oxygène, lui. Hein. Vous êtes bête d'envoyer de votre équipement. Aucune reddition, mon monsieur. Aucune reddition, monsieur. Nous n'acceptons aucune reddition. Voilà, il est cassé. Et voilà, il a envoyé deux membres d'équipage quand même se suicider. C'était du suicide. Bon, par contre, Natsu, il est toujours mal en point. Alors ensuite, on va faire notre petite boucle là, tranquillou pépère. Je sens que c'est à partir de lui. 1, 2, 3, 4 au moins, 5. Ouais, ça va. Oh non, pas ça. Ils ont des boucliers verts, eux, ils sont chiants avec leurs boucliers verts. Eh, oxygène est à 19% quand même, hein. Pile poil. Hein. Et un missile, un. Alors, tu vas viser leur... Ah, ça.
tu vas les emmerder. Voilà, ils ont plus d'armement. Non plus. Voilà, ça passe tranquille hein, pour l'instant, ça passe vraiment tranquille. Voilà, allez, plus que un dégât et c'est bon. On les aura tués. Voilà, là, je veux dire, il n'y a pas de respect. Hein. Il n'y a aucun respect à avoir. Par contre, lui, il est toujours mort. Hein. Tiens, on a un nouvel membre d'équipage ici, j'avais oublié de le renommer. Voilà. Ouais, je nomme avec des non-youtubeurs qui sont que je connais, voilà. Il est temps de modifier un petit peu le vaisseau, je pense. Ah ouais, ça coûte cher, ça. Ah, ça coûte super cher. Il me faudrait au moins 2 pour le laser rayon. On va essayer de se servir que de cette arme-là pour voir ce que ça donne. Et lui, pour voir. Uniquement du yon. On va regarder ce que ça donne au prochain combat. Alors, on va sauter, on va aller faire un petit tour par là-bas. Oh là là là. Laser rayon, tu vises l'armement. Et le para, tu vises le bouclier. Vas-y, c'est parti. Et toi, tu vas viser. Ah ouais, il y a un super bouclier bloc. Maintenant, c'est bon. Toi, tu vas directement viser l'armement. Ok, on a réussi à remonter un petit peu les boucliers, tout ça. Mais alors, le laser rayon, on va aller voir ça un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais en fait ça leur fait aucun dégât. En fait ça ne leur fait strictement aucun dégât ça. On va activer ça sur les missiles. En fait ça c'est une grosse merde quoi. Bon, on a réussi à s'en débarrasser, mais alors à quel prix, hein? Allez, on va très vite se dégager de là. Il y a un appel de détresse ici. Ah, d'abord, il faut que je répare tout ça, là. J'ai pas le choix. Hein. On va essayer de profiter qu'on ait le bouclier. On va commencer par réparer le système de caméra. Et toi, tu vas aller réparer les portes. Et on a dépassé les 20% d'oxygène, non c'est bon. On est redescendu en dessous. Ah parce que sinon ça sert à rien de faire ça. Allez, on va aller voir l'appel de détresse. Yes, Jones. Alors c'est quoi ça comme équipage? Ah d'accord. Donc ça c'est pour aller avec les caméras je pense. Tant pis pour les 20%, on oublie hein, cet objectif là, il est juste injouable. On va laisser le vaisseau comme ça dans la plus grande inatmosphère. Parce que si on a un feu etc c'est bien pratique. Mais à part ça on oublie les gars. Voilà, l'immense télépathique ici. Et on va sauter à nouveau.
On va faire un tour au magasin peut-être. Non, d'abord là, je pense. On a le temps, hein. Ouais, on a le temps de faire ça, ça, ça. Même ça et ça peut-être. On va aller là. Faudra bientôt que je me répare. Oh là là là. Allez. Alors attends, laser ici, le paralyseur ionique sur le bouclias. Et on est parti. Rien pour activer ça là, mais il me faudrait plus de... Aïe, c'est bon. Voilà, le feu il va s'éteindre tout seul, c'est ce qui est génial par contre. Hein. Ils sont en train de mourir les anti là. Voilà, là ils sont morts. On les a écrasés. Oh yeah. Ok, bien. Alors on va aller faire un petit tour au magasin. Histoire de... Oh, ça c'est intéressant ça. Alors déjà, il faut absolument... Alors qu'est-ce que je peux vendre? Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Ça, franchement, c'est une grosse merde. Ce truc, c'est une grosse merde. Hein, j'ai peut-être pas compris comment ça fonctionne. J'ai peut-être pas compris comment ça fonctionne, mais pour moi, ça, c'est une grosse merde. Le rayon anticoque. C'est utile aussi, hein. Qu'est-ce que je peux acheter du coup? Déjà, on va réparer tout mon vaisseau, c'est sûr. Ça, c'est super intéressant, ça. Ça, c'est super intéressant, ça. Un Zoltan. Un Zoltan, c'est super intéressant, mais le problème, c'est que si j'achète Zoltan, je pourrais pas réparer le vaisseau. Quoique je pourrais le réparer un petit peu, ce qui serait suffisant. L'énergie qu'il me donne ira aux armes. Donc à l'armement. On va faire ça. Du coup, toi, tu vas aller au système de porte. Histoire de renforcer les portes gratos. Et toi, tu vas ici. Voilà. Ça me donnait un d'énergie gratos. Ouais, mais il n'y a pas assez d'énergie pour lui. Voilà, on va faire ça comme ça plutôt. Comme ça, le rayon anti-coque, je vais pouvoir l'équiper juste derrière. Dès que j'aurai assez de scraps pour acheter. Ah, il m'en faut 50. Il m'en faut quand même 50. Ah, il n'y a pas de respect. Alors, on va aller au trou de détresse ici et après à la sortie. C'était une piège, une piégeasse. Une piège à co. Alors, ils vont se téléporter, ils vont venir me voir, ces enfoirés. J'ai intérêt à être super vigilant. Bon, alors là, mon garçon, t'es pas prêt d'arriver, toi. Boum! Là, on se pose le pilotage. Ah, tu devrais le sécher, lui, hein. Ok. Ça c'est cassé, on va envoyer lui. Parce que le moteur on en a pas vraiment besoin pour l'instant. Tant que ce truc n'est pas mort. Aucune reddition possible, mon garçon. Par contre, attendez un truc là. Enlève le tir auto. Ah mince, je voulais qu'il meure par le feu, ça aurait été plus rentable. Bon, c'est pas grave.
Ouais, ça aurait été plus rentable de le laisser mourir par le feu. Mais bon, c'est pas grave. Bon, là, il faut absolument que j'aille à la sortie, les gars. Ouais. Secteur suivant. Alors, on va aller dans le secteur natal NJ. Déjà, il y a un magasin ici, mais il me servira absolument à rien. On va partir plutôt vers en bas, ce coup-ci, tiens. Parce que j'ai pas assez de scraps pour faire quoi que ce soit. Ok, alors eux ils ont pas grand chose. Le paralyseur, tu l'envoies ici. Le laser, toujours sur les armes. Anti-roto. Et toi, tu vas aller paralyser leurs armes parce que j'ai peur de leurs armes. Allez, tire le laser. Merci. Bien sûr, il laisse le lance-missile. Aïe, 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 lui, il a pris cher encore. Bien, c'est en feu. Et en plus, il va avoir du mal à y accéder. C'est parfait. La poste de pilotage est cassée. On va juste continuer à paralyser leur ionique. Voilà. Comme ça, ils sont en train de brûler. Vous voyez, ils sont en train de brûler. Là, je leur fais plus aucun dégât pour l'instant. Parce qu'en fait, j'attends qu'ils soient en train de crever purement et simplement. Vous voyez, lui, là, il essaie de réparer les moteurs, mais. Paf paf, vous voyez, lui, il était parti se mettre à l'abri. Mais là, ils sont en train de brûler complètement. Leur bouclier est HS. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ils sont quasiment morts tous les deux, le feu va se propager dans leur vaisseau. J'ai plus rien à faire que d'attendre pour récupérer un vaisseau, on espère, le plus neuf possible. Eh les gars, il va vous falloir aller vous dépêcher d'aller soigner vos trucs parce que sinon votre vaisseau il va prendre cher encore. Hein. Il va se casser tout seul par le feu, ça va être rigolo ça. Je pourrais aller désactiver l'Euro 2, mais bon. Aucun intérêt. Strictement aucun intérêt. On va attendre que le feu se propage chez eux. Hein. On a le temps de toute façon. Hein. Franchement, on a le temps. Hein. Bon, c'est quand ça veut par contre. Des fois, ouais, des fois c'est un petit peu lent, je vous l'accorde. Hein. On fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. Ah, le feu se propage là-bas, mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Ouh, il a pris cher, lui, il a failli mourir. Leurs moteurs sont en feu. C'est joli, hein, un feu qui se propage comme ça dans le jeu, j'adore. Ce qu'il y a de bête pour eux, c'est qu'il n'y a aucun système de... Ah, il a cassé. Même pas besoin de tirer dessus, vous voyez, il a cassé, voilà, on a récupéré des scraps. Mais pas encore assez pour acheter un deuxième truc pour le rayon anti-coque ici. Ah bah on a les magasins partout ici, tiens. Bah on va aller là. Hein. Parce que les magasins pour l'instant ne m'intéressent pas vraiment, j'ai pas assez de scraps. Oh purée. Ah ouais, puis lui en plus il est balèze, hein. Il est badass. Hein. Raté, juste au moment où j'appuyais dessus, quoi. Oh, c'est dégueulasse, ça. Ah, j'ai oublié le tir auto. Alors, d'abord, le paralyseur ionique. Voilà, et ensuite le rayon laser. C'est très bien, ils sont en feu, nous aussi, mais on s'en fout.
Très bien, ils sont détruits un petit peu. Ok, ce feu-là va s'éteindre tout seul. Voilà. Ce feu-là va s'éteindre tout seul. Là, ils ont leur O2 qui crame. On va arrêter de tirer dessus, peut-être. Le feu chez eux va faire le reste en fait. La bouclier est en train de prendre cher, c'est très bien. Lui il essaie de réparer l'armement mais il va pas y arriver je pense. Au pire j'y tirerai dessus, mon rayon laser est chargé. Non je suis bête, je peux faire ça. C'est encore plus simple. Ils ont plus de deux. Ça y est, ça commence à prendre feu chez eux. Aucune reddition mon garçon. Rien à faire. Yes, l'équipage est mort chez eux. Et en plus leur vaisseau est détruit. On récupère pas autre chose? Non, dommage. Allez, on va sauter de là. Magasin, détresse, détresse, magasin. Bah, c'est la foire. C'est la foire de Guingamp ici, hein, les gars. La sortie est activée par ces 3 points, ok. Ok. On va aller au magasin là pour se réparer un petit peu et puis s'acheter ce qu'il faut. Voilà. Ok. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est bien ça aussi. Soin autoporté, ça c'est génial ça. Ah mais un ion lourd, j'en ai déjà un, non? Ah non, j'aime pas les arioniques. En plus c'est pareil, c'est mieux ça. Juste on va modifier un petit peu le vaisseau pour activer le laser anti-coque. Voilà, parce qu'on le vaut bien. Hein. Et dans le magasin on va se réparer juste. Je pense que c'est le mieux à faire. Hein. Voilà, de l'essence on en a, des missiles on en a, des morceaux de drone on en a, donc on va juste se réparer. Et on saute encore, c'est parti! Ok, cool, du scraps gratos. Alors, la logique voudrait qu'on aille par là-bas, clairement, et moi j'ai envie de faire un grand tour aujourd'hui. Donc on va aller par là. Alors là maintenant on va enlever le tir auto et on va se regarder un petit peu comment on va faire ça. Donc déjà on va attendre que nos armes soient chargées. On va leur envoyer un petit cadeau ici. Voilà, donc on va envoyer le paralyseur ionique sur les boucliers. On va tirer sur le bouclier. Et laser anti-coque, on va le faire aller comme ça. Voilà. Ouh, ça fait mal! Alors, on va recommencer par laser ionique ici. Voilà. Et le laser anti-coque. On va essayer de rayer leur O2 de la salle. Voilà. On l'aimait bien, on l'aimait bien, on l'aimait bien, on l'aimait bien. Alors toi je peux t'envoyer direct. Aucune reddition mon garçon, aucune reddition possible. C'est ma devise, hein, voilà, parce qu'il n'y a aucun respect à avoir. Ça, je sais pas ce que ça fait, ça.
Cette arme, elle m'intrigue, si vous voulez, en fait, cette arme. Elle m'intrigue vraiment. Par contre, il faut absolument que j'améliore mon moteur. Hein. Là, il n'y a pas de respect. Hein. Ah, on va augmenter un petit peu notre taux d'esquive, quoi. Parce qu'alors, on est mauvais. Hein. Allez, tout est activé. On peut sauter, on peut se casser. Oh, mais il y a un petit détresse, là. Et on l'aurait raté si on avait sauté à côté. On sauve l'NJ, hein. Alors là, il n'y a aucun respect. Hein. Alors, l'NJ, voyons voir ça un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait, l'NJ? Il répare, lui. Il répare vite. Bah écoute, mon garçon, tu vas rester dans le coin, je pense. Tiens, tu sais quoi, tu vas aller dans la salle des missiles. Après tout, pour réparer, c'est le mieux. T'es à peu près au milieu du vaisseau, donc voilà, YOLO. Hein. YOLO Swag. Ok, on peut voir que Natsu a récupéré toute sa vie, qu'il est très bon en missile. Par contre, le pilote, il est mauvais. Hein. Moi, je vous le dis, le pilote, il est mauvais. Hein. Progresse pas vite. Hein. C'est vrai que Natsu est bon en missile. Pourquoi je l'ai mis aux portes, du coup. Ah ouais, pour lui qui est meilleur. Ouais, bah, il apporte de l'énergie, lui. Encore un truc de... Par contre, là, la sortie, elle va être rush. Il va falloir que je la rush. Hein. Ouais, ça passe. Ça passe, les gars. Ça passe, allez. Cool, des scraps gratos. On va retourner au milieu, là. Ça, on va voir ce qu'on loupe. Ok. On a deux marqueurs de quête, ils sont là et là. Ça va être chaud derrière pour rusher la sortie. Même impossible, je dois affronter la flotte ennemie à plusieurs fois. Mais bon, c'est pas grave. Ils chargent leur propulseur. On va les empêcher de faire ça. Le paralyseur ionique ici. Attends, d'abord. Tac. Oh là là, mais c'est pas vrai quoi! Vous voulez ma mort, les gars! Voilà. Déjà, ça s'est fait comme ça. Allez, on envoie le paralyseur. Le tir laser. Et on va foutre un coup de rayon anti-coque ici. Ok. Ok. Alors, maintenant. Le paralyseur sur leur bouclias. Le tir laser. Et encore une fois, le rayon anti-coque ici. Oh là là, mon gars! Si tu penses que je vais te laisser partir comme ça. Alors, on attend que ça charge. Voilà. Le paralyseur ici. Le tir laser ici. Et le rayon anti-coque, comme d'habitude, ici. Voilà! Là, je veux dire, il n'y a pas de respect! Très bien, toi qui ne crains pas l'absence de l'air, tu vas réparer ici. Non, parce qu'il n'y a pas de respect à avoir, moi je dis. Hein. Ici, et toi, ici. Voilà! Là! On est bien là, on est bien là. On va peut-être apporter quelques modifications à notre vaisseau. On va bien avoir deux niveaux de bouclier en plus, mais d'abord on va acheter les barres d'énergie correspondantes. Voilà. Du coup, oh là là, je suis mort, c'est sûr.
On va quand même la faire cette quête, hein. On va quand même faire cette quête, hein. Ah, y'en a marre, hein. On va mettre... Alors, on va attendre que ça charge. Oui, toi, là, de suite, là. Sur leur armement. Ok. Alors, le paralyseur ionique sur les boucliers. Rayon laser. Et le tir anti-coque, on va le mettre ici. Voilà, comme ça toi t'as aucun espoir de rentrer chez toi. Voilà, t'es mort. Excusez-moi, je mets beaucoup de pauses mais je suis très concentré. Très bien, paralyseur ionique sur le bouclias. Tir laser. Et le rayon anticoque ce coup-ci, ici. Bon, maintenant on va tout réparer, on va tout retaper le vaisseau là. Parce que l'air de rien on a pris cher. On n'a pas eu de scraps, ce qui m'embête. Hein. Parce que du coup là, ben là, je veux dire là, on va essayer de se mettre mal, on va être très mal. Sur la sortie, ça va être rêche. Ok. Alors, ils ont pas de téléporteur eux au moins, ils sont bien. On va de suite leur envoyer ça sur les missiles. Ok, vive l'armement! Paf! Le paralyseur ionique sur les boucliers, mais pas encore. Voilà, maintenant. Paralyseur ionique. Et le rayon anticoque qui va repasser sur les missiles, hein, là, obligatoirement. Voilà. Oh là, on s'est tiré dessus, attention. Pff, juste. Alors, paralyseur ionique, ici. Et le rayon anticoque, on va viser leur pilotage et ça. Voilà! Là! Cool, un membre d'équipage, je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire de toi. Tiens, tu vas aller là, toi. Ah, tu sers à rien après tout. Alors, du coup, maintenant, on va pouvoir acheter les deux boucliers de plus. A mon avis, on va en avoir grandement besoin pour le prochain combat qui nous attend. Parce que là, la sortie, là, les gars, là, ça va sentir très mauvais. Ah ouais, ouais, un chasseur rebelle élite, les gars. Alors, déjà, on va faire ça. Ce coup-ci, on va viser son armement encore. Hein. C'est pas chargé chez lui, là maintenant. Allez, ça là. Ça là est le rayon anticoque ici. Ah, on passe pas les boucliers. Hein. Faut absolument attendre que ça charge. On va essayer de prendre le minimum de dégâts en attendant. Faut absolument que j'améliore ça. Ok, paralyseur ionique ici. Tir laser ici. Rayon anticoque ici. Ah, ça passe pas. Vite qu'on puisse sauter là, vite qu'on puisse sauter les gars là. Pas encore sauter, hein.
Aïe, 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 on était retardé là. Vite. Mantis ou rebelle? Rebelle. Hop là. Wouhou. Ah ouais, là je veux dire, il n'y a aucun respect qui soit. Toi tu vas aider à éteindre l'incendie, s'il te plaît. Toi. Malheur. Toi tu dégages de là, mon garçon. On va l'avoir comme ça l'incendie, voilà. Ok, alors on est super mal en point. Toi tu vas aller réparer ça. Toi tu vas aller réparer ça. On est super 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 mal en point. Nos boucliers sont critiques, la coque est critique, il y a tout qui est critique les gars, la ville de Girac est critique, hein, voilà, il n'y a pas de respect. Toi tu vas nous réparer parce qu'ici on a une petite brèche. Hein. Heureusement qu'il y a eux là en fait, qui sont vraiment géniaux en fait ces mecs là. Ça y est, on commence à retaper le bouclier un petit peu. Ce rayon anticoque ne sert à rien tant qu'il y a un bouclier. Et ça, c'est super hoche, ça. On va réparer ça, toi. Bien. On va attendre que l'oxygène se renouvelle là-dedans, voilà. On va réattribuer tout le monde à sa position. Ok. Bon. Cet affrontement aura plutôt mal tourné, mais au final, ce sera bien passé. On va faire un saut. Ok, il y a une bouton de quête ici, on va essayer d'aller directement. En espérant que ça m'apporte du bonus, parce que là, que je trouve un magasin passant pour me réparer. Aïe, 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 aïe. On va arrêter de neutraliser leurs armes, on va essayer de neutraliser leurs boucliers ce coup-ci. On attend que nos trucs chargent. Allez, on envoie ça ici, ça ici et ça ici, tout en même temps. On a raté le laser par contre. Il faut être plus vigilant. Alors, le para d'abord. Ça ensuite. Et ça juste après. Voilà. Comme ça, on leur a fait un petit peu de dégâts. Oh là là, c'est la mort ici là. Tac. Ok, bien. Alors, le paralyseur ici. Les lasers ici. Est-ce que c'est les rayons anticoques qu'on va vraiment viser ce bouclias? Ah, ils se sont juste protégés à temps quoi. Le Girac va pas vivre longtemps, moi je vous le dis les gars, le Girac il est quasiment mort. Le paralyseur ici, le rayon laser. Voilà, les missiles sont dans le rouge, c'est bien, c'est ce qu'on voulait. C'est parfait, ça comme ça. Aucune reddition possible, mon garçon. Voilà. Et le coup de rayon laser de grâce, on va le mettre sur le bouclier. Voilà. Et paf. Bien, 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 bien. Voyons voir un petit peu les différents dégâts qu'on m'a fait. Il n'y a pas grand chose. Ça, on va refermer. Ok. Alors, on va pouvoir sauter. On va essayer de se barrer de là. J'espère trouver un magasin maintenant. Ok. Toi, tu vas aller neutraliser leur bouclier, c'était une bonne démarche ça.
Ok, on attend que nos armes chargent. Ok. Ok. Paf. Paralyseur ionique. Le rayon anticoque que tu vas viser, c'est le truc là. Et le rayon laser, tu vas viser ça tant qu'ils n'ont pas de bouclier. Voilà. Ils sont un petit peu retardés là, je pense. Ok. L'ionique, il vise ici. Il a pas tiré l'ionique. Bon, c'est pas grave. Rayon laser, ici, ce coup-ci. C'est parfait. Et toi, tu vises ça. Voilà. Ah non, là, c'est du sport. Là, je vous le dis, c'est du sport, les gars. Très bien. Le ionique, il va viser toujours les boucliers. Le rayon laser, ce coup-ci, va viser sur les missiles. Et le rayon anticoque, on va essayer de viser de la coque vide. Non, on va continuer dans notre lancée. Voilà. Là, je veux dire, il n'y a pas de respect. Oh, tellement de scraps. Tellement de scraps, qu'est-ce qu'on va en faire? Il me faudrait peut-être plus d'énergie au niveau du moteur, ça c'est clair et précis. Donc déjà, on va dépenser 2 barres d'énergie. Et je pense... ça c'est important. Et ça, voilà. Ça et ça, voilà. On va essayer de davantage soigner notre équipage. Parce qu'il y en a marre de les voir blessés à mort quasiment. Ok. Allez, on va pouvoir sauter maintenant. Alors, on a droit à 2 nébuleuses. Bon, on va laisser faire celle-là. Ok. On va aller faire un petit tour par là-bas. Je vais directement à la quête, là, les gars. Je vais direct. Oh, jolie la planète encore. Oh purée. Ok, on a attaqué un truc plus gros que nous, là, les gars. Le foreur, c'est pas un foreur, le truc, c'est un... Ok, on est chargé. Alors, on va refaire la même démarche, en fait. Bouclias. D'abord. Paf. Tu me le neutralises, tu m'envoies le para. Tu me... Tire là-dessus, dépêche-toi. Purée! Ça n'a servi à rien. Ah, bon, on voit encore qu'il la traverse pas pour l'instant, donc je suis rassuré là-dessus. On va attendre que ça passe. Oh là, oh là, mais pourquoi il me fout le feu partout là? Pourquoi il y a le feu partout ici là? Ils arrivent à me toucher ou quoi? J'ai pas vu. Ok, allez, on est parti. Donc tu me re-neutralises ce purée de bouclier. Vas-y, envoie ça. Envoie ça. Et là, t'envoies ça ici. Ah, mais ça passe pas, quoi. J'arrive pas à traverser le bouclier, quoi. Allez, ciao. Vac, tiens, il y a ma... Ah, mais j'ai pas de scraps. J'ai pas un seul scraps. Oh là 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 là. Mais sans déconner, tomber de... Je tombe de Caribe dans Scylla, quoi. Toi, tire-toi de là, mon garçon, parce que là, tu vas mourir. Tiens, on va voir ça. Toi, tu vas tirer de là aussi, parce que tu vas mourir, sinon... Très bien, ils se séparent. Toi, tu vas tirer de là, parce que sinon, tu vas crever également. Ah, fermer cette porte et cette porte. Ils crèvent, voilà, ils sont crevés, ils sont morts. Vous deux là, vous êtes pas du tout insensibles à ça, donc vous vous cassez de là. Alors, on va refermer cette porte là, cette porte là, cette porte là. Ok, et on va essayer de se barrer de là. On va aller voir le magasin, on se rampait pour se retaper un petit peu. Alors, 2 minutes là. Là, tu m'excuseras, mais. Tac. Tac, 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 tac. Là, O2 est en train de revenir. Ok, on renvoie
tout le monde à sa position, s'il vous plaît. Pourquoi l'autre ne revient pas ici? Merci. Ok. On va vendre ce truc, ça sert absolument à rien, ça. Oh, je veux la DCA, je veux ça, je veux. Oh, qu'est-ce que je peux vendre? Le rayon anticorps qui nous sert pas beaucoup, hein. La DCA sera mieux. Ah ouais, 3 pour réparer 2, quoi. Je peux pas vendre un truc, là, ici, là? Non. Alors, la DCA sera beaucoup mieux, comme ça on pourra peut-être lutter enfin contre ceux qui ont 3 boucliers. Ah, je vous le dis, on est mal, hein. Là, je vous le dis, on est super mal. On va aller faire la quête. Hein. En espérant que ça rapporte masse de scraps. Purée. Allez, on va attendre un petit peu. Que toutes nos armes chargent. On va juste vite fait envoyer ça sur leur armement ce coup-ci. Pourquoi tu respires pas, toi? T'es con, toi? Viens là. Ok, leurs armements sont bons. Alors, on va se tirer ça là-dessus, tirer ça ici. Et ça, on va l'envoyer là-dessus. Voilà. Ok, le paralyseur ionique est ici. La DCA, toujours pareil. Tiens, on va l'envoyer sur lui ce coup-ci. Raté. Le laser, vite fait. Ah, ça a pas traversé ici, c'est bon. Ok. Ils vont prendre un coup de DCA, un coup de paralyseur, leur bouclier de mince là, parce qu'ils commencent à m'énerver. Paf! Voilà! C'est très bien, brûle. Allez, c'est bon, le paralyseur ici, la DCA ici, et le laser ici. Là, il n'y a pas de respect. Paf! Et voilà. Oh, oh, 20 points de coque réparés. Oh, merci. Merci. Pardon. Ah ouais, non, mais faut ce qu'il faut, hein, des fois. Hein. Et qu'est-ce qu'ils m'en font donner comme équipement? Oh, la protection en titane. Yes. Ah. Ah ben, on respire un petit peu. La DCA, moi, je vous le dis, ça... Ça fait... c'est génial, la DCA. La DCA, c'est un truc de génie. Hein. Bon, on va aller faire un petit tour, comme ça, genre là, 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 là et là. On revient à la sortie, voilà, on va visiter 4 trucs. Enfin, si on peut, hein. Non, non, désolé mon garçon, mais j'ai du mal déjà à me fournir à moi en essence. Là, maintenant, si je t'enfile 3, je vais être mal après. Putain, y'a rien ici, les gars. Oh! Pourquoi je voudrais eux? Non, n'engager personne, hein. Moi je veux personne, hein. On va encore se retrouver avec un vaisseau élite de la flotte, là, ça va être mauvais. Ok. Mais bon, ce coup-ci, on sait comment les contrer, eux, maintenant. On va attendre que ça charge. Toi, directos, tu vas aller neutraliser leur armement. Merde. Non, ça va, il s'est pas fait intercepter. Paf. Voilà. Le paralyseur ionique, ici. La DCA, ici. Le laser... ici. Voilà. Bien. Déjà bien ça, bien ça. Ensuite, paralyseur ionique, toujours ça dessus. La DCA ici. Et le laser ici. Charge plus vite. C'est good. Le paralyseur ionique ici. La DCA ici. Laser ici. Ping. Pop off.
Paf, très bien, ils ont plus d'armement, c'est good. Le paralyseur ionique ici, la DCA. On va l'envoyer toujours sur le moteur. Le laser sur le poste de pilotage. Voilà. Comme ça, ils peuvent plus s'échapper. Toujours paralyseur unique ici. DCA, ce coup-ci, on va l'envoyer là-dessus, ici au centre. Le laser sur les armes. Vous voyez, le laser, il charge plus vite en fait. Et voilà! Et la sortie, on est mal, les gars. La sortie, là, la sortie, on est très très mal. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Est-ce qu'on peut faire des modifications déjà? Deux niveaux de plus de boucliers, ça me coûterait 100, je peux pas. Au moins acheter de l'énergie. Deux d'énergie, ça me coûterait 1 d'énergie. On va commencer. Comme ça, ça fera une petite réserve. Et on va sauter vers la sortie. Aïe aïe aïe. Alors, le truc, ça va être simple, ça va être d'essayer de neutraliser son armement, toujours. Ok, il tire vite lui, il tire vite lui, il tire très vite lui. Le paralyseur ionique là-dessus. La DCA ici, le laser ici. Bien, on le touche les gars, on le touche, on le touche, on le touche, on est bien. J'attends que cette arme ait fini de charger là pour lancer mon truc. Très bien, le paralyseur ionique ici, la DCA ici, les boucliers, les gars, c'est le plus important, et le laser ici. Ah, on n'a pas arrivé à le toucher ce coup-ci. On recommence, le paralyseur ici, la DCA ici, le laser on attend. Voilà, on arrive à le toucher un coup au moins. Le paralyseur, la DCA ayant le même truc de tir, c'est génial. Le laser par contre, ça va de plus en plus vite. Aïe. C'est parfait. On est bien les gars, on est bien. On va peut-être arriver à le buter. Hein. Ah non, ce coup-ci j'envoie le laser pour le fun, mais... Allez les gars, le paralyseur DCA et le laser ici. Allez. Ah, raté. Voilà, on se casse. On va aller sur un secteur pirate. Il doit y avoir des marchands dans les pirates, chez les pirates. D'entrée de jeu, un magasin, voilà, qui va nous faire plaisir parce qu'on a besoin de fuel. On a besoin de fuel. Oh, ça c'est excellent ça. Oh, mais ça je veux ça. Ça je le veux ça. La bombe feu c'est juste un truc. Ah ouais. Y a tout qui me plaît là. Qu'est-ce que je peux vendre? Je peux pas vendre d'hommes d'équipage, c'est dommage. Hein. Oh, lui il est bon au moteur là. Lui il est bon en missile là. Mais bon, j'en ai déjà un missile. Alors, est-ce que j'achète de l'essence ou est-ce que je répare tout ou est-ce que j'essaie d'acheter la bombe incendiaire? L'essence pour moi c'est vital. On va tout réparer. Il nous reste 8. Avec ça, ça ferait 40. Et avec ça, ça ferait 80. Et avec ça, ça ferait 60 même. Comme ça, je peux acheter la bombe incendiaire. Ah ouais. Ça, c'est juste overcheaté. Ça, je le veux. Ça, c'est overcheaté. Donc, je vends quoi? Donc, ça et ça, c'est sûr, je le garde. Le laser, je peux le vendre. Hein. Ah mais du coup, mais attendez, je suis en train de réfléchir que du coup, le seul truc qui pourra créer des dégâts au vaisseau adverse, c'est ma DCA. Je sais pas si c'est un bon plan, ça. Ça, j'avoue, je ne sais pas si c'est un bon plan. Mmh.
Non, parce que le DCA, l'air de rien, bon, c'est efficace, hein, mais c'est les seuls trucs qui pourront créer des dommages de coque. Il me faut absolument garder un laser, du coup. Mais si je vends la DCA, je me retrouve avec les équipements de base et la bombe incendiaire. La bombe incendiaire fait tellement de dégâts. Je l'ai déjà vu à l'acte, hein, ça fait tellement mal, la bombe incendiaire. Savez quoi? On va faire un saut ici et on va retourner au magasin. En espérant trouver du mécréant. Pour essayer de se fournir un petit peu plus en scraps. Très bien, ça va nous filer du scraps. Ils ont un truc de téléportation, faut faire gaffe. Alors, du coup, toi, tu vas aller neutraliser comme d'habitude leurs armes. Le paraionique et la DCA, ça va tirer là-dessus. Et le laser, on le garde en réserve. Ok, leurs armes sont en train de charger, les miennes aussi. Ils se sont téléportés où? Ouais, c'est bien, ils ont pas d'oxygène ici. Par contre, lui, il est en train de crever. Natsu est en train de prendre très cher dans la gueule. On va l'amener ici, Natsu. Très bien, ils ont réussi à en téléporter un, mais pas les deux. Toi aussi, tu vas te téléporter ici. Et du coup, ici, on va ouvrir. Voir ce que ça leur fait. Assez gentil, messieurs. Toi, du coup, tu vas retourner à la porte. Merde, t'as pas eu le temps. Toi, ici, toi, ici, vous avez tenté de taper le Rocky, les gars. Pendant ce temps-là, moi, j'attaque plus, je suis totalement occupé, là. Totalement pris par moi, par ce que je fais. Allez, laser, c'est le moment. Voilà, on a réussi à endommager un petit peu leurs armements. Ça là, ça là, ça là, anti-roto, s'il te plaît, parce que là, mince, hein. Ah l'enfoiré, il vient aider. Ok. Ici ça se passe plutôt mal. Toi tu vas pas rester dans la même pièce que lui, tu vas retourner aux portes. Hein. Très bien, ils sont partis, tant mieux. Ce coup-ci ils ont plus de bouclier ni rien. On va encore neutraliser leurs armes. Ouais, 3 en 3 de scraps, ce qui m'arrange grandement. Alors maintenant par contre il faut réparer tous les dommages qu'on a. Parce qu'il y a du dommage là, je veux dire il n'y a pas de respect. Ça, on va laisser ouvert. Ok, toi tu vas pouvoir retourner dans cette pièce là. Hop là, voilà. Ok, les portes elles sont sécurisées et sans atmosphère, comme ça s'ils viennent m'embêter sur les portes, ils savent qu'ils vont crever. Avec 41 de scraps, maintenant dans le magasin je peux faire quelque chose. Vous voyez, j'ai plus autant à vendre. C'est quoi ça? DCA3, canon anti-aérien, tire une rafale de débris à travers une zone. 7 dommages, waouh. Génial ça. Mais moi ce que je voulais c'était surtout la bombe incendiaire. Donc ça à la limite, je m'en tape un peu. Quoique c'est de la DCA2, c'est de la DCA1. À 10 secondes et 21 secondes quand même. Je veux pas dire, mais... Par contre, ça vaut plus cher que... Ouais, mais... Voilà, quoi. 10 secondes... Ces deux-là, vous voyez, sont alignés à la limite. Celui-là, à la fin, il charge tellement vite qu'en 7 secondes, il a chargé. Lui, ça va être dur de l'alimenter aussi. 3 d'énergie, hein. Ça, on va le vendre. Pour acheter ça là, pour acheter la... Ah ouais. Ça je veux, ça je veux, ça je veux, ça je veux. Ah ouais, ça je veux, c'est clair que je veux ça. Ça je le veux. D'ailleurs au début ça sera comme ça, vous voyez. La bombe de feu directement alimentée parce que... Ça c'est trop fort ça, ça c'est trop fun ça. Tu balances ça dans la salle du bouclier, c'est bon quoi, t'as gagné quoi. Et après donc je désalimente pour alimenter le laser.
C'est tellement puissant ça que ça peut totalement tuer les membres qu'il y a dans les pièces et faire en sorte que voilà quoi. Bon, maintenant il faut se barrer. Faut se barrer, on va se barrer par là. Ok. Intrus à bord. Forcément, là où il faut pas, on va ouvrir ça. Vous deux, vous dégagez ici. Ok, la bombe de feu, tu vas me la foutre sur leur bouclias. Le para et ça, on est parti. De toute façon, quand ça va se vider d'atmosphère, ça, eux, ils vont charger grave. Vous deux, vous allez les affronter. Histoire de faire diversion, parce que du coup ma bombe feu n'a pas pu charger. Et ça c'est pas bon. Aïe. Raté, raté. Aïe, 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 je prends tellement cher là. Ok, Learn, tu reviens là. Natsu, tu te barres de là. Et on laisse le manque d'oxygène presque les achever. Ok, alors, toi tu vas de suite réparer ça s'il te plaît, j'en ai besoin. Je prends tellement cher là, aïe 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 aïe. J'ai besoin de ça les gars, j'ai besoin de ça de suite. Fonce sur leurs armements, toi. Ouh, Natsu est mort. Merde. Non, Natsu il est cloné. On va m'incendiaire ici, dépêche-toi s'il te plaît. Le para ici, la DCA ici. Et toi tu t'actives maintenant. On va essayer de reprendre le dessus, mais ça va être chaud chaud chaud. Ok, ce coup-ci on leur a fait un petit peu mal. Toi tu retournes réparer les caméras, on en a besoin pour savoir ce qui se passe chez nous. Notre 2 est cassé. Toi Natsu, tu vas ici de suite. Ok, ça commence à faire les dégâts chez eux, ouais. Ok. Notre 2 est totalement HS. On réparera ça après. Nos moteurs aussi sont HS. Ok. Toi de suite tu vas réparer l'eau 2. Toi tu vas réparer les moteurs. Qui c'est qui commence à souffrir lui? Toi tu dégages de la rapido presto. Ensuite la guerre, comment ça se passe là? Ok, on est en train d'achever leurs équipements ici. Ça là. On va attendre encore un peu. Oh putain, merde, ils m'ont tué ma limace. Voilà, on neutralise. Boum. Bombe de feu sur leur bouclier, ça fait très mal. On a plus qu'à... Yes, elle est revenue ma limace. Génial ça. Oh là là, la limace elle prend tellement cher d'entrée de jeu quoi. Elle va mourir là, là elle est morte, voilà. Oh merde, toi tu vas de suite réparer ça. Eh mais c'est fou ça, hein, on a vraiment pas... On les a ratés. Mais alors ils nous ont coûté tellement cher ces enfoirés quoi. Oh là là, j'ai tellement rien compris à ce qui se passait. On a perdu la limace du coup.
Merde. Chier. Répare la brèche, toi. On a perdu, les gars. On a perdu et perdu. J'ai perdu, là. Allez, tout le monde à sa position, s'il vous plaît. Oh là, ils prennent tellement cher, eux. Du calme. On va attendre que ça sera oxygène avant de vous y remettre, voilà. D'ailleurs, on va fermer toutes les portes du vaisseau parce que ce système-là, franchement, c'est juste... c'est vraiment pas bon, quoi. Est-ce que je préfère avoir un bonus sur quoi, là, du coup? Toi, là, tu vas venir sur les caméras. Pour que j'y vois ce qui se passe chez l'ennemi quand j'envoie mes bombes incendiaires. Ok, bon. On a perdu pas mal de choses, là. Hein. Signal de détresse ici, il est juste trop loin, quoi. Quoi qu'on va y aller faire un tour. Puis on a plus de carburant non plus. Ok, encore un piège. Je commence à en avoir un peu marre. Ah, c'est des Rocky, craignez pas le feu. Les bombes de feu, ce coup-ci, on va leur envoyer sur l'artillerie. Ça ici, ça ici. Là. On va essayer de jouer ça comme ça. Et toi, sur l'armement. Oh là là là, on prend tellement cher, les gars, on prend tellement cher! Voilà, déjà on a réussi à en tuer un, mais alors qu'est-ce qu'on prend cher, quoi? Leurs équipages humains sont pas encore morts, on va tuer maintenant leur... on va continuer à viser leur armement en fait, c'est pas mal ça. Ouais, c'est bien ça en fait, hein. C'est vachement bien ça. À chaque fois on fait des dégâts à leurs unités, quoi. Oh là là, l'O2 les gars, l'O2 c'est vital, l'O2 c'est vital, quoi. Tu vas réparer ça de suite, toi. Toi t'es mort presque. Oh non, on s'est fait casser. Et voilà. Et voilà, 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 voilà. Et voilà, 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 voilà. J'ai pas été assez vigilant. Et voilà. Ouais, on est voilà, notre destin est scellé, les gars, on est mort. Allez, voyons voir un petit peu les statistiques. Ah, donc on arrive là, hein, 5ème place pour moi, ouais, c'est bon, ouais, mes scores sont un petit peu minables, je vous l'accorde, hein, voilà. Mais il n'y a pas de respect dans ce monde-là, il n'y a pas de respect. Hein, voilà. Donc, ben, on aura vaincu quand même 22 vaisseaux, on aura exploré 56 balises, récolté 662 scraps. Oh, c'est pas trop mal, hein, 2000, hein. Bon, d'accord, c'est mauvais. On n'a eu aucun accomplissement, hein. On n'arrive vraiment à aucun accomplissement. 1000 vaisseaux, t'es sérieux, quoi? Au cours de vos parties, d'accord, ouais. Ça, c'est super chaud, ça. Pacifique, merci, quoi. À moins de 5 secondes, d'accord, ouais. Il faut tellement de vaisseaux laser. Bon mais voilà les gens, c'est la fin de cette série, oui, parce qu'en fait ça sera, vous l'avez compris, hein, ça va être débité en plusieurs épisodes de 20 ou 15-20 minutes. Hein, parce que je n'ai aucun respect, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des pouces verts, des commentaires, ce que vous voulez en dessous de toutes les vidéos, naturellement. Hein. Et ben je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle série sur FTL. Voilà, en espérant que celle-ci ne se termine pas par un échec minable, hein, voilà, parce que c'était minable, on a été minable, hein, voilà, voilà. Là, mais il faut dire ce qui est, hein, je connaissais pas le vaisseau, tout ça, voilà, hein. Il n'y a pas de respect, il n'y a vraiment pas de respect, vraiment, vraiment aucun respect. Allez, je vous remercie et je vous dis ciao, ciao, les gens.